Ouais, une côté écart. Ah, c'est différent de cette veillette. Ah, parce que depuis le début de l'année, je vois comment c'est fait, comment le club il évolue et comment c'est entraîné. Désolé, mais c'est pété. C'est pété à mort. On va apprendre des grands trucs tactiques, ils ont déjà même pas les bases. Parce que leur temps à se faire gueuler dessus sur des grands trucs tactiques, on est obligé de leur apprendre des bases en 5 ans. Owen vers l'intérieur, pique en diagonale. Ah, Abraham. Bon, ça va? Ça va. Bien? Ouais. Oh, Gaël, ça va? Bien? Oui. Bien? Gaël, ça va? Pas de neuf. Je suis là. Je suis là. Quoi? Non, c'est l'araignée. Ouais? Le truc d'araignée. Hein? Pas chaud comme ça? Ouais, c'était mis la forêt, oui, oui, mis la forêt. Un mot de tourner du bruit. Ouais, ça va, ça va. Ah. Là, il y a une famille de maman qui vient là. Là-bas? Ouais. Ah, bah, c'est bien. Bah, comme ils ne l'ont jamais vu. Hein? Les petits, ils tentent des gestes techniques. Hein. Ah ouais, ah ouais, je vois. Il y a un petit jaune, déjà je devais faire une bonne prise de balle là, là, un petit là je vois. Il passe. Non, le petit là il est vif. C'est comme le petit qui a Paris Saint-Germain, tu as vu comment il est petit? Mais il joue, hein, le petit black là, le nouveau là. Il est fin, mais il joue. Hein. Moi, je ne suis pas trop match, mais quand je regarde les... Benny, allez hop, le but. Oui, oui, c'est tout sur lui. Il a tout fait quand même. mais le petit là, franchement, il est super vif. Et il a une bonne vision de jeu, il a une bonne vision de jeu. Benny, il a marqué. Ouais, petit leçon. Ah, Cristiano. Il a pris toute la jeunesse. Hein. Ouais. Tiens, je voulais savoir. Vous, là-bas, vous faites pas des chèques que reportés comme Cora, il fait? Non. Mmh. D'ici là, je vais envoyer Nabi, hein. Ils viennent, moi, tu vois, 150 euros. Hein? Je ne sais pas si Gaët a parlé. De quoi? Non,
Le Nabi viendra avant le 27 peut-être. Mais 10 000 fois par mois, on va te donner 150 euros. Après, tu vas prendre l'argent que Gaël va donner et lui, il va aller donner ça chez une dame. Gaël va donner l'argent normalement. Après, Nabi va ramener pour compléter ce que je vais donner. Il va donner ça à une dame qui est venue. Voilà. Bon. Ah, moi j'ai encore 3 mois d'attente, 3 à 4 mois d'attente pour que tout se réalise. Là c'est jusqu'en février au 22. Bon. Et toi, Mboga, c'est comment? C'est là, hein, là j'ai commencé à mettre en novembre là-bas là. Oh, en Caï? Ouais. En novembre là. D'accord. Parce que... En tout cas, moi, quand je vais rentrer, je vais m'asseoir au pays tranquillement. Je vais bien aller regarder mon occupé. Mais moi, j'ai parlé d'un projet avec ma conseillère à la banque. J'ai dit, moi, j'ai un fils qui fait des bons projets. Moi, j'ai un fils qui fait des bons projets. Mais lui, il veut toujours tac, tac. Il ne veut pas prendre un crédit. Il a dit non. Quand tu veux faire des grands trucs comme ça, surtout que c'est qu'en Afrique, par exemple, s'il peut prendre 30 000 euros, c'est pour 10 ans, il paye, par exemple, 60 euros par mois. Non, mais elle a raison, parce que là, même là, bientôt, c'est ça que je vais faire. Parce que, Mais moi, qu'est-ce que tu avais dit? On m'a dit, en fait, de toute façon, même quand je vois auprès de ceux qui ont des meilleurs, qui ont des bonnes choses, même des entreprises qui fonctionnent bien. Oui, ils sont tout le monde fonctionne à crédit. Oui, toi, tu m'avais dit, non, papa, moi, je ne veux pas de crédit. Oui, je veux bien que tu prennes des crédits, mon fils. Mais, parce que. C'est toujours béni. Non. Donc. Si tu prends 50 000 euros, on te prend 60 euros par mois pendant 3 ans et demi. Ça dépend comment tu vas négocier ça. Or que tu as des rentabilités et tu peux l'acheter à un moment donné à l'autre crédit. Parce que avec 50 000, tu as le véhicule de transport dedans, juste un an quand c'est ici. Hein. C'est le foot, tiens. C'est ça le foot. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu peux acheter le véhicule dedans. Tu auras un tracteur dedans. C'est-à-dire, par exemple, avec 20 000 euros, tu as un bon camion, tu as le tracteur. Et les 30 000 euros maintenant, c'était structuré de là-bas. S'il y a une... S'il y a des bâches à faire, s'il y a des... Tu vois un peu ce que je dis? Voilà. Franchement, mon petit, si tu fais ça, moi... De toute façon, oui. Moi, je n'ai pas à attendre ici. Moi, je vais travailler pour toi, mais gratuit. Voilà. Parce que toi, tu es quelqu'un qui va faire beaucoup de œuvres. Mi-temps. Bah ouais. Isaac, c'est bien, Isaac. Ah, il joue très bien, lui, mais... Voilà, donc... Tout est parce que là, moi, donc, moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est pas question de choisir de là où faire, non. Je compte sur toi, parce que Ngué, tu as cette, tu as ce truc-là, alors, bien sûr, il a son crédit de maison avec sa femme, et lui, il ne peut pas pour l'instant faire des choses, peut-être. Voilà, donc Mengue, au moins, tu m'avais dit, papa, je ne vais pas acheter pour l'instant en France, je vais d'abord faire travailler le pays. Ça, c'est les jeunes bonnes idées. On a tout décrit là. Avec les coûts, tout.
pour le prix des coupes, des poules, des plein de trucs. Mais ça, là, c'est au nombre de 10 en tout ça. Donc, c'est pour ça que ça, tout ça, ça marche. Mais on ne va pas prendre par 10. Hein. Pour pas quoi pas 10 pourquoi? Parce qu'il y aura 10 travers, non. Non, bah oui, non. Il n'y aura que 5, par exemple. Non, mais de toute façon. Au départ, il y en a 5. Non, mais de toute façon, on va pas utiliser directement les 10 hectares, parce que sinon, ça va venir cher en main-d'œuvre. Voilà. Ouais. On va utiliser d'abord 3. Comme ça, faire une première plantation, voire désherber et tout ça, là, tout ça. Voilà, oui, oui. Deux dessus. Et puis, comme ça, après, on. Bah, cette première plantation-là peut nous permettre de financer derrière. C'est là, moi, je dis, il faut qu'on a un véhicule au pays qui est là, qui est garé. Quand c'est des trucs, il va. Parce que sinon, tu vas mettre le transport dedans. Les gens, ils peuvent aller louer un camion 20 000 francs. Dis non, le camion a demandé 25 000 ou tout 30 000. Et là, ils ont pris 10 000. C'est pas bon. Ah, en tout cas, moi, je n'ai plus envie de ça. Dès que je vais avoir ce que je pourrais avoir un jour, moi, je vais m'installer. Ma France m'a rendu malade. Dès que je suis malade, la France m'a dit, t'es encore malade. Tu bouges pas, tu sors pas, hein, l'hôpital, hein, machin. Tu vas chez le kiné, tu reviens. Là, je les donne, là. Je vais ailleurs, là. Il y a une nouvelle crise, la psychologie. Oh non, mais je suis coincé. En plus, financièrement, zéro. On était comme ça. C'est pas bon. Bon, c'est pas des dettes faramineuses, hein, de 5 000 euros, non. Tu peux devoir 1 000 euros, 200, 300 euros. Mais moi, ça m'énerve. Moi, je ne veux plus de dettes. Voilà, des choses comme ça, j'en veux plus. Ils me mettent en pré-retraite, même si c'est 1 000 euros. Moi, je vais en Afrique. Et les enfants, comment ils vont faire ici, là? Non, mais si j'ai 1 000, ah non. Ça, c'est juste un exemple. Ils vont pas me donner 1 000 euros. Voilà. Non, moi, je vais pas m'asseoir pour 2 ans, non. Je reviens. Parce que c'est ici que je gagne mon argent, là, au petit bureau de tabac. Oh. Hey. Là, j'ai mes petits 50 euros, j'ai un petit 100 euros. Et quand je vais passer mes 3 mois ici, 4 mois, non. Rester à la maison, pas, ça me fatigue. Hein. Là, je vais renouveler mes papiers. Là. C'est ça qui fait ça aussi. Je dois renouveler en octobre. Hier, ils m'ont appelé. Mais tu sais, ouais, non. Vous avez envoyé un passeport d'enfant français. Je dis, comment ça? Moi, je vous ai envoyé un vrai passeport. Là-bas, il dit, non, on a un passeport d'enfant français. Sur les documents que j'ai envoyés. En fait, c'est pas moi qui ai envoyé, c'est mon fils. Je suis sûr qu'elle a dit envoyer. Et de, comme c'est tout là. Non, mais il m'a appelé. Et puis, hier, j'ai envoyé directement. Et, n'oublie pas, hein, tu sais, le truc que j'ai amené au pays là pour les vendre. Avant-hier, j'ai ouvert, j'ai dit bon, je vais donner un peu à ceux qui sont des pointures petits. Non, mais vends-les. Non! Tu veux voir ça qui? Non. Non, ça c'est pour mon petit-fils. Ah, j'ai dit non. Il y a des petits baskets là-bas, il peut rester avec. J'ai même donné en caribène. Et puis j'ai mis la pause, mais c'est pas grave. Les autres, je vends.